Jeune homme, ça va? Attendez, je vais vous aider. Vous vous sentez comment? Je vois flou. Oh, j'ai mal au crâne. Ça devrait passer, tenez, on vous essuie. Merci. C'est normal? Oui, en général, les premiers réveils peuvent être difficiles, mais on s'habitue assez vite. Dites donc, vous devez sortir d'une sacrée bataille. Ouais, on peut dire ça. Ouais, ça arrive de temps en temps. On va un peu trop loin, on se frite un peu trop avec des gros mobs et paf, on se retrouve hors monde. Certaines aventures sont très difficiles, vous savez. Ouais, c'est ça. Vous allez mieux? Ouais, merci. Ça va aller, je pense. Votre visage me dit quelque chose. Vous êtes là depuis longtemps, vous, non? Non, quelques jours seulement. Ah bon, bah je dois confondre. Bref, je vous conseille quand même une petite pause, ça vous fera du bien. Vous êtes toujours en zone C. Ouais. Donc suivez-moi, je vous accompagne aux cabines. Ok. À ce moment, j'avais le cerveau si ralenti que je n'eus même pas l'idée de poser des questions à cet homme, qui était un agent de maintenance de Game Life. Une fois aux cabines, il s'absenta un moment après m'avoir rappelé mon numéro de coffre où j'avais rangé mes affaires avant de me connecter 4 jours plus tôt. Pendant quelques minutes, je me suis alors reposé sur un banc, le cœur encore battant à 100 à l'heure. Jeune homme. Ouais. Veuillez me suivre. Attendez, mon coffre, on dirait qu'il a été... Veuillez me suivre, je vous prie. Ouais. On va s'en occuper. Ah, ok, si vous voulez. C'est à ce moment que mon esprit d'analyse commença enfin à refaire surface. Mais il n'y avait pas plus de monde avant, ici? Nous sommes hors des périodes de déconnexion mensuelle. Suivez-moi. Pourtant, elles sont permanentes, ces déconnexions. Non? Monsieur? Jeune homme, vous devez reprendre place dans votre mentode. Quoi? Vous m'avez entendu. Reconnectez-vous, vous le pouvez. Attendez! Juste avant, j'étais avec 4 personnes, dans un lieu assez spécial, Damilana, mais on avait une mission. Mais il y a eu une erreur. Votre déconnexion n'a pas été planifiée. Reconnectez-vous, vous le devez. Planifié? Attendez, je comprends plus, là. Pourquoi je dois y retourner? Il le faut. Allez-y. Non, pas encore. Les autres doivent être dehors aussi, et il faut que je les retrouve. Maintenant. Mais... C'est une arme? Mais qu'est-ce que vous faites? Mon travail! Avec une arme sur vous? Non! Non, arrêtez! Si vous refusez de coopérer... Non! Vous êtes malade! Non! Si vous avez une arme. Attends, je vais t'expliquer. Faites plus un geste. Mais lâchez ce truc. Mathéo, enfin. Allez. Mathéo, c'est moi, Archibald. Archie? Oui. Mais pourquoi tu... On est sur Terre, Mathéo, dans le réel. Et oui, je ne me ressemble pas. C'est inévitable. Désolé si je t'ai fait peur. C'est vrai. Mais ce gars-là, il était pas normal. Tu l'as tué? Non, il doit être assommé. Ses armes ne font qu'envoyer un choc nerveux. Il voulait que je me reconnecte.
Sinon, je sentais qu'il allait me dégommer, je comprends rien. Ouais, le mien a failli m'étrangler, mais on ferait mieux de bouger vite fait et retrouver les autres. J'aime pas ce qui se passe ici, ça me fout les jetons. Étant encore sous le choc, je ne relevais pas encore tous les détails de la situation. J'étais comme embrumé, parasité par un mal de tête assourdissant. Avec Archie, j'ai couru sur des centaines de mètres, à travers un réseau de mentodes disposés en grands cercles concentriques, dans d'immenses salles circulaires. Dans chacune d'elles, une personne, à la manière d'un fœtus, rêvait de sa vie sur Milana. Eux, tous les autres, ils ne peuvent pas nous voir. Non, ils sont complètement immergés. Il y a plusieurs étages avec des salles comme ça. Chacune accueille presque un millier de joueurs. Michael est au niveau D, en dessous. Michael ? Oui, pardon, Coris. Si tu veux savoir, mon vrai nom, c'est Antoine. Mais je te dirai rien si tu continues à m'appeler Archie. Et Elenda ? Hélène ? Je sais plus, faudra demander à Coco. Ah, et la mentotte de Kino ? Tu sais aussi où elle est ? Non. Mais depuis tout ce temps, tu dois forcément... Je te dis que non. Ah bon ? Pourquoi ? Elle me l'a jamais dit, c'est sa volonté, je la respecte, voilà. Ok. Excuse-moi, je suis vraiment désolé si ça te... C'est rien. Bizarrement, en arpentant les différents niveaux, personne ne se présenta. Tout était désert. Et pourtant, tout était intact. Je les entends. Ils nous cherchent eux aussi. Ah, les voilà. Bordel, mais c'est quoi ce poltergeist ? On peut m'expliquer ? Tout est vide ici, pas de traces de joueurs hors jeu ni d'agents. Elenda et Coris étaient également très différents de leurs avatars de Milana. Faut dire qu'on était tous un peu plus normaux que dans le virtuel. Mais le plus étrange restait Archie. Il paraissait avoir subi une grave maladie, malgré son âge. Ouais, vous avez de la chance d'avoir vu personne, hein. Nous, on a failli se faire tuer. Et étrangler. Hein ? Sympa le réveil. Mais à part eux et les mentodes, toutes les salles sont vides. Il a dû se passer quelque chose. Non, tu crois ? Mais qui nous dit qu'on n'est pas encore dans le jeu ? Coco, arrête s'il te plaît. C'est déjà assez compliqué comme ça. Oh, ça va. Non, ça va pas du tout. On était à ça de réussir à ramener Kino, à ça. Puis tout d'un coup, ce nécroman apparaît en bloquant tout, il réussit à tuer notre guide. Archie, calme-toi. Oui, pardon. Et puis si Dimbo est mort, il a dû se déconnecter, tout comme le nécroman. Il s'appelait Zark, je crois. Vous pensez qu'il s'est réveillé comme nous ? Eh bien, non. Hein ? Mais Archie, on les a vus mourir ! Ah, et tu les as vus se réveiller ? Non. Ah, et le coup des dagues à fourrer dans le cœur, faut que tu nous expliques là, hein, parce que... Je ne crois pas que Dimbo et Zark soient véritablement morts dans le jeu, mais on était quand même dans un lieu bien particulier, l'œil de Milana. Ouais, et alors, ça change quelque chose ? Ah, je suis pas sûr, à cause de ce qui s'est passé juste après la communication, ça relève d'une théorie complexe. Abrège, on s'en fout des détails techniques. Bon, en gros, les dagues étaient des objets programmes, conçus pour déconnecter d'urgence quiconque la recevrait dans le cœur. Ah, c'est ces trucs qu'on a reçus avant la quête. C'est pas si complexe que ça, quand même. Dans ce monde, rien n'est si simple. Mais ces objets sont bannis, normalement. Oui, bon, je rentrerai pas dans les détails. Mais c'est grâce à ces dagues qu'on s'est déconnecté spontanément, au lieu de... Enfin, de... Au lieu de quoi ? Ces spectres. À mon avis, on ne serait pas seulement mort dans le jeu s'ils nous avaient touchés. J'ignore encore comment Game Life a géré son système de défense. Mais ce qui est sûr, maintenant, c'est que ça ne nous aurait pas déconnecté. Dans le doute, c'était les dagues. Ce fut charmant à utiliser, en tout cas. Au fait, quelqu'un a une montre ? Non, on est tous en combinaison de mentode. On devrait retrouver nos casiers, nos affaires sont dedans. Non, je ne crois pas. Comment ça ? Ben, l'agent qui a failli nous tuer nous y a menés, mais... Tout était vide. Hein ? Ils auraient tout viré. Donc ça a à foutre. Ce serait pas étonnant, déjà que les yeux sont déserts. Mais quel bardeuf ! Donc, aucun moyen de connaître l'heure. Il faut dire que des salles sans fenêtres, ça aide pas. Oui, le complexe est souterrain. On doit être à une cinquantaine de mètres sous le niveau de la mer. Kino,
bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Eh, hey, Archie, ressaisis-toi. Bon, on réglera ces histoires virtuelles un peu plus tard. Ici, on a un plus gros pépin, il me semble. Je propose qu'on rejoigne la surface, qu'on sorte de là et qu'on trouve un contact, un terminal ou n'importe quoi qui pourrait nous aider. Voire même un truc à manger, ce serait pas mal. Sauf si ces agents sont aussi pétés que les autres. On n'a rien de mieux à faire. Qui est avec moi? Je viens avec toi. Moi aussi. Ouais, c'est bon. Ok, on y va. Allez, venez.